Scared me. Écoutez, je viens d'arriver à Virginie, après mon étape de Chicago, mais je viens d'apprendre que le régime de M. Tshisekedi, qui est assoiffé du sang, a raté de massacrer des milliers de jeunes élèves qui marchaient à Matadi pour demander la réouverture, demander la reprise des cours, parce que comme vous le savez, les enseignants avaient grévé pour demander qu'on puisse améliorer les conditions de travail et les conditions également salariales. Et la coalition Lamuka, la Ligue des Congo, nous condamnons fermement ce qui s'est passé aujourd'hui à Matadi. Comment les policiers chargés ou censés sécuriser peuvent tirer sur nos enfants? Nous connaissons qu'à Beni, la police avait tiré sur les enfants. La police avait arrêté les enfants. Mais c'est Félix Tshilombo avait prétexté l'ignorance parce qu'il n'est jamais au courant de rien. Et là, son régime vient de rééditer l'exploit de tirer sur nos enfants qui manifestaient pacifiquement, main à l'air, pour demander à ce que les cours puissent reprendre et que les professeurs soient, les revendications des professeurs soient prises en compte. Et à partir de Virginie, où je me trouve, je me sens dans l'obligation de condamner fermement parce que les appels pleuvent dans mon téléphone. Je viens de l'aéroport, mais j'attends que nous puissions discuter avec le président Fayulu et nous allons demander des explications à M. Félix Tshilombo. Il faut que les policiers qui ont tiré sur nos enfants rendent des comptes. Nous exigeons, nous, la Moukade de Congo, la démission du ministre provincial de l'Intérieur du Congo central. Et M. Jacquemin doit nous expliquer qui a donné l'ordre que ces policiers tirent sur nos enfants qui manifestaient pacifiquement. Il y a à peine que le régime de Tshisekedi vient de massacrer plus de 500 personnes à Makala et là, il voudrait massacrer nos enfants. C'est inacceptable. Okay.